Voilà, Capi, ça devient compliqué. Très compliqué, Ouais. Ça devient très compliqué parce qu'on pouvait gagner ce match. Moi-même, j'ai eu une occasion. Toutes les fois, j'ai marqué, mais j'ai raté. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai raté. Tu étais un peu pressé. J'avais un peu. Non, je ne sais pas, je n'ai même pas le mot. Mais quand même, tu as marqué le but libérateur, vous devez rentrer avec une défaite. Oui, mais aujourd'hui, bon, on n'a pas démonté quand même, on a pu avoir un point. On essaie encore, mais c'est le troisième match, on va essayer de gagner le troisième match. Ouais. Le troisième match, c'est contre qui? C'est contre Djigounou. Djigounou. Là, c'est un match de combat parce que Djigounou aussi prétend à se qualifier. Oui. Donc, qu'est-ce que vous allez préparatif? Non, mais pour du vin, on va les battre, sincèrement parler, on va les battre parce que on veut aller en quart de finale. Vous voulez jouer. On veut jouer. C'est vrai, quand tu as marqué, les gens ont commencé à commenter pour dire dans Djigounou, il faut continuer comme vos anciens, les Mandiki et autres. Les gens vous attendent beaucoup. Mais oui, la population de Kanyabo nous attend. C'est ça qui me fait mal encore. La population de Kanyabo nous attend, mais on n'a pas pu aller jusqu'au bout. Mais je sais qu'à la troisième match, on va le faire. Il n'y a pas de pression de votre côté là, parce que les populations, les parents, les anciens sont là derrière vous. Si, il y a beaucoup de pression même, il y a lourdement de pression, c'est ça qui nous tue le plus. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de pression sur nous, c'est ça qui nous tue le plus. Mais nous sommes des joueurs, on va essayer encore. Nous sommes des joueurs, nous avons un mental. D'accord. Nous avons un mental dur, on va essayer de le faire. Rappelle-moi votre nom. C'est Alexandre. Alexandre. D'accord. Merci et bonne chance. Merci. Déconnez-vous, merci. Merci beaucoup.